Une énergie non renouvelable et non polluante, c'est évidemment celle du vent. Problème, les éoliennes sont souvent critiquées parce qu'elles défigurent les paysages. La solution est peut-être du côté de la mer. Des promoteurs réfléchissent à la construction d'un parc d'éoliennes en Manche. S'il se réalise, ce serait l'un des plus grands du monde. Florence Mavic et Patrice Acheret. Dans la Manche, l'air marin est souvent tumultueux, le vent du large plutôt costaud. Une aubaine pour les promoteurs d'éoliennes maritimes. Celui-ci propose d'installer à quelques kilomètres des côtes du Tréport un parc de 156 moulins à vent, les pieds dans l'eau. C'est énorme, donc de grandes machines qui culminent à 90 mètres de hauteur de moyeu. Et quand la pale passe au plus haut, c'est 150 mètres. Maintenant, les premières machines sont à 14 km des côtes et on peut dire que d'ici, on verra un demi-centimètre. Un demi-centimètre pour l'impact visuel, c'est le promoteur qui l'affirme. Mais surtout un rendement énergétique bien supérieur aux éoliennes terrestres. C'est grosso modo 900 000 personnes en consommation électrique moyenne. Donc ça fait l'équivalent d'une ville comme quoi? Comme Marseille. Pourtant, le projet de notre promoteur risque de sombrer corps et biens. Car le préfet maritime s'y oppose. Les éoliennes seraient installées dans une zone dangereuse. Des mines, vestiges de la Seconde Guerre mondiale, peuplent encore les fonds marins. On n'a pas la possibilité aujourd'hui de dresser un inventaire exhaustif de ce qui peut se trouver dans les fonds marins en Manche. Donc aujourd'hui, on ne peut pas garantir un assainissement total à 100% d'une zone de 74 km². L'argument ferait presque sourire sur les quais du Tréport. La préfecture maritime n'a en effet jamais interdit aux pêcheurs de jeter leurs filets dans cette zone. Mais l'avis défavorable délivré aux promoteurs fait l'affaire des chalutiers. Ici, on est contre les éoliennes en mer. Entre la sole et le moulin à vent, l'État doit choisir. Si ces éoliennes sont en mer dans le secteur prévu, dans la zone de pêche fréquentée à longueur d'année par nos navires, il est clair que on n'aura plus le droit de pêcher. Donc si on n'a plus le droit de pêcher, ça veut dire simplement qu'on n'a plus le droit de travailler. Ça veut dire qu'on ferme le port. La société d'éoliennes a beau promettre aide financière et protection du poisson, rien n'y fait, les pêcheurs restent des irréductibles. Le promoteur a plus de chances auprès de certains élus. Dans son dossier, la création de 2300 emplois autour de la construction et de l'exploitation des éoliennes. Plus une taxe annuelle de près de 8,5 millions d'euros. Je pense qu'il y aura des bureaux d'études. Il y aura les ouvriers le soir. Il va bien falloir qu'ils viennent se restaurer, être hébergés. Il va bien falloir que leurs familles, pour certains, viennent. Que les écoles accueillent les enfants de ces familles. Donc tout ça, c'est une économie. Miroir aux alouettes ou cohabitation possible entre écologie et développement local. L'éolien maritime est chez nous encore en gestation. Ce n'est probablement pas demain que ces éoliennes plantées au large de la Scandinavie essaimeront le long des côtes françaises.